Eh bien oui, nous voici donc en ce mercredi 29-8-2018, de l'an de grâce 2018. Nous sommes donc le dernier mercredi du mois d'août. C'est super aujourd'hui. Ça c'est Corinne, c'est moi quand je suis petit, et puis ça c'est ma soeur. Bon, j'ai rajouté le périphérique. Il est complètement bouché celui-là, il comprend rien. Comme ça. Mercredi, c'est en dos. Oh, ça me gratte le dos, puis ça me gratte le bios. J'ai bien expliqué ce matin au centre d'addictologie, puisqu'on fait le théâtre. Oui, alors voilà, tu comprends, l'espace-temps, machin, de ça. Bon, ils ont dit, allez, arrête de. Comme si je sortais une disquette. C'est pas que je veux les reprogrammer, je veux leur faire comprendre la vérité. Dans un monde d'enculerie. Moi, le Macron, je prépare sa sortie. Tout, de toute façon, faut tout ce qui dégage. Non, nouvel ordre mondial, c'est non, et c'est plus que non, c'est sûr que c'est plus que non. Maintenant, on va changer d'air, on va changer d'air pour du vrai. Ça fait 10 ans que je vous l'explique, que mieux vaut faire caisse commune que fosse commune. Un banquier de merde du FMI. Alors, je dois faire le corbeau et le renard. Alors, du coup, j'ai écrit le macro et la cougar. Le macron, ouais, le macro et sa cougar. Ou alors DSK et la boîte noire. Je vais te le faire en ziva, en reggae, en hip-hop, en tout ce que tu veux. Mais en techno, je peux le faire comme je veux, tu vois. Je fais quand même crise de Nice, bordel. Sans aucune thune, avec que du matos foireux, que tu sais même pas que tu vois l'écran, que tu sais rien, en fait. Tout au feeling, total impro, ça que je vais faire au théâtre. J'ai le rôle du prophète, tout le monde interroge. Oh, c'est compliqué. Bon, je les ai pas rendus fous, mais ils ont dû se poser des questions, ils doivent s'en poser encore. J'ai pas parlé de la carte d'identité. Parce que moi j'ai perdu la carte, mais j'ai l'identité. Vous avez tous la carte, mais je crois pas que vous ayez l'identité. La supraconduction synapsoïdale, pour l'instant, c'est pas au point. Alors voilà. Bon, on parle un peu d'espace-temps, on parle un peu de tout ça, tu vois. Donc, pour le gouverne vrai, je reprends Nicolas Hulot. Parce que moi, je dis toujours Nicolas Bulot, parce que ça me fait rire. Mais. Je pense qu'il a une paire de couilles quand même. Comme la Taubira, je m'en vais comme un prince, pars en vélo ou quoi. Plein de médias de merde aussi. Enfin bref, tout ça c'est de la manipulation mentale. Je crois que le mec il a réuni. Ah oui, je me présente. Qui va remplacer Nicolas Hulot? Moi. Je me présente dans la galaxie. Tant. Mike Brandt, pour ne pas se tromper. Oui, alors. Histoire de la cabale au fond du jardin. Il y a un problème technique quand même. Plus son camion à pizza en bas. J'ai rencontré le copain à son père. Il va bien raconter. C'est pas du tout les médias, qu'est-ce qu'ils disent. Hein. Si tu crois au 11 septembre, you are footing the doigt dans l'omoplate jusqu'à l'œil, hein, jusqu'au derche. Hein. Non? Après voilà, je bloque pas là parce que je vais aller chez Tata. J'avais fait une bonne gamelle en plus hier. À cabale au fond du jardin. Alors, Nicolas Bulot, bon Hulot et le Macron, ils ont le même nez. Mais il y en a un. Mais Nicolas, il est moins enculé que Emmanuel quand même. C'est pour ça qu'il démissionne. Bon, ou on lui a proposé de démissionner. Tu sais. Le Barnouin, je te remercie. T'es un peu la cousine quand elle a remercié Florence Tata, même pas de vive voix, hein. En texto. Oui, je te remercie, tu comprends? Ça veut dire dégage. Ça veut dire va te faire enculer. Quand tu remercies quelqu'un, si c'est en politique ou en pouvoir ou en pognon, ça veut dire va te faire enculer. C'est simple, hein. Comme on dit, va te faire enculer en France. Votez pour moi.
Comme on dit, va te faire enculer au Maroc. Soyez le bienvenu. Comme on dit, va te faire enculer en hébreu. Fais-moi confiance, les amis des amis. Je vais vous péter à la gueule, tous. J'y arriverai sans pognon. Je fais crise de Nice. Merde, je suis ministre de l'Extérieur, je suis chef d'état d'âme. Je suis tout ce que tu veux, j'ai rien. Mais au moins, j'ai l'esprit. Tu vois? Je suis pas énervé, hein. C'est ce qui vous manque. À la Coluche, quoi. Sur une équipe, il y a un esprit. Hein. Alors, ils partagent. L'intelligence, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. Il manque quand même des dimensions et des parois dans le disque mou, là. Il y a un problème technique, là. Bon, on va mettre ça sur le compte de la pollution électromagnétique. La télé, c'est diabolique. Il n'y a que de la merde. Ou quand il y a un truc bien, c'est tard. Il y a des reportages, c'est pas mal, mais c'est le ton monocorde. Oui, alors je comprends. Alors là, ils peuvent reculer. Oh, impossible de démarrer. La batterie était mal fixée. Prenez-moi que pour un con. Bon, voilà, je coupe. Envoyé spatial pour t'éternel. Pas de chez Salut, Inchalamé, Reporter sans glacière. Et tout ira bien dans l'espace-temps. Je coupe là, je transfère, je me casse. Pouette.